Bonjour et bienvenue dans Les goûts et les couleurs. On s'est tous un jour fâchés pour des bonnes et surtout des mauvaises raisons. Objectif de cette émission, vous réconcilier avec votre palais. Dans cette émission, rencontre avec Frédéric, Damien et Harmonia. Tous les trois ont horreur des fameux riz de veau. Au chef, Christophe Navarre, le chef de l'escale ici au Cap Ferret, de relever le défi. Et c'est donc Christophe Navarre qui va relever le défi dans cette émission. Bordelais pure souche, né à Talence, il a commencé sa carrière dans la belle endormie qui depuis s'est bien réveillée. Mais il a aussi travaillé un peu partout. Mérignac, Quinsac, Bègles, retour à Bordeaux, Pessac, Arcachon et depuis 10 ans à l'escale au Cap Ferret. Alors chef, qu'est-ce qui coince avec le riz de veau ? Le riz de veau est devenu la peste de la cuisine presque, hein. On peut dire ça, et parce que c'est un abat, parce que c'est un produit qui, quand il est brut, il est flasque. C'est pas joli, c'est sanguignolant, il y a de la peau. C'est un produit qui est relativement cher. Alors chef, qu'est-ce que vous nous avez préparé pour nos invités ? Alors donc là, on a préparé plus ou moins une entrée un petit peu goûteuse, c'est-à-dire un carpaccio de riz de veau, accompagné d'une béarnaise, d'une façon béarnaise. Deuxième plat, on a fait une petite façon, c'est un petit peu sympa, une petite façon de nuggets. On a pané le riz de veau et ensuite après on va les faire frire. Ok, c'est compris. Alors après le carpaccio façon béarnaise, les nuggets croquants, il nous propose des encornets farcis au riz de veau. Un sacré défi comme recette. On a réussi à avoir à la crise d'Arcachon des encornets frais. Un petit côté terre-mer, puisqu'ici on est sur la presqu'île, donc ça serait plutôt sympa et dans l'esprit. Ça reste quand même un petit défi. Ouais. Rencontre avec nos trois candidats. Damien habite et travaille à Bordeaux. Bon Damien, qu'est-ce qui cloche avec le riz de veau ? Je suis quelqu'un de très visuel, je n'aime pas du tout, enfin l'aspect peu ragoûtant en fait des abats, ça m'attire pas du tout. La viande normale ouais, mais les abats pas du tout. J'attends, enfin comment dire, qu'ils soient transformés en fait. J'aime bien pouvoir me mettre des challenges dans la vie et je me suis dit tiens, j'ai tenté cette expérience. Harmonia habite sur le bassin d'Arcachon et cette histoire de riz de veau date de l'enfance. Autrefois, quand j'étais enfant, que mes parents tuaient le cochon, j'ai vu des choses tellement dégoûtantes que sorti de la viande rouge, quoi. Les riz de veau, non, c'était pas mon truc. J'en ai vendu des palettes entières. Quand on déballait dans les papiers transparents tous ces riz de veau, je voyais ça. J'attends de voir ce que l'on va me montrer. Mais j'ai confiance, hein. Je suis sûr que vous avez un chef parfait. Frédéric, habitant à Bègles, pour lui, le riz de veau, c'est un sacré défi. Le riz de veau, tout ce qui est à bas, c'est retri. Je n'aime pas. L'odeur, quand c'est pas cru, quand c'est pas cuit, le voir, quand c'est cuit, la viande est sèche, non. J'aime relever les défis, j'aime les challenges et je reste pas obtus là-dessus. Allez, au boulot, au fourneau, pour un carpaccio façon béarnaise. Bon Christophe, nous voilà dans la cuisine avec cette espèce de forme mollassonne et pas très belle. Voilà, c'est qu'on ça, appelle les riz de veau, exactement. Bon alors, qu'est-ce que vous allez en faire ? Premier plat, il est question d'un carpaccio. Exactement, donc on va faire dégorger dans de l'eau glacée pour pouvoir faire ressortir le sang. Mm-hmm. Hein, vous voyez, il y a un petit peu de sang, donc on a pris un petit peu d'eau glacée, on les a fait à tremper dedans. Ensuite, après, on va les blanchir, départ eau froide. Et à ébullition, 4-5 minutes, on va les retremper dans l'eau glacée pour les serrer. Très bien. Ça va blanchir et après vous allez accompagner ce riz de veau. Attention, hein, je précise, c'est un veau de France. Tout à fait. Du centre de la France. Exactement. Et ensuite, vous allez agrémenter tout ça. Voilà. Parce qu'une fois que ce sera cuit, vous allez le congeler et le couper en petites tranches. Voilà, exactement. Et tout ça, pourquoi ? Donc ça va fabriquer la garniture. On va faire d'une façon un petit peu ravigote et on va y rajouter une petite béarnaise pour pouvoir donner un petit goût un petit peu vinaigré pour appeler le cap. Damien, Frédéric et Harmonia vont-ils se faire surprendre par ce carpaccio pas comme les autres ? Ils ne sont pas au bout de leur surprise avec ensuite des nuggets. Plat numéro 2, ça continue. Alors Christophe, là, on a toujours blanchi le riz de veau. Exactement. Dans de l'eau bouillante que vous avez ensuite raffermie avec un choc thermique. Exactement. Alors voilà, ça fait cette petite boule là. Donc ensuite, on va venir la séparer et la couper en tranches assez fines. Voilà. Et on va venir les paner
dans une tempura et dans la chapelure de panko. Vous allez accompagner ça de légumes de saison. C'est quoi les légumes de saison? Alors on a des carottes fanes. D'accord. On a du salsifis. Du salsifis. Des topinambours. Des topinambours. Et des navets boules d'or. Et des navets. On va le montrer à l'image. Qu'on rôtit avec un beurre de veau. Alors ça, c'est pas de la mayonnaise. Non, c'est un beurre de veau. Quand on fait les parures de veau qu'on fait au beurre, on récupère ce beurre une fois que les viandes sont grillées pour pouvoir après faire un jus de veau avec. Vous l'avez compris, on baigne dans le veau jusqu'au cou. Et si maintenant, on mettait du veau avec un produit de la mer? Alors Christophe, troisième plat, attention ça rigole pas, c'est quelque chose que vous aimez les chefs, c'est proposer ce mélange terre-mer. Donc, voici... Des encornets. Des encornets, attention, des encornets du bassin d'Arcachon. Exactement. Donc d'ici de la région, que vous allez farcir avec le riz de veau qui a été blanchi. Exactement. Donc il s'agit de vider, on garde que le corps, hein, donc on va bien le nettoyer, bien les nettoyer proprement, et enlever les ailettes. Exactement. Bon, comme ceci. Donc le riz de veau ensuite voilà. Est mis à l'intérieur. Exactement. Ensuite après, le riz de veau va passer à la vapeur. Voilà, exactement. Là, il a été farci. Voilà. Ensuite, on va les rouler dans du papier film. Les passer à 80 degrés vapeur, quelques minutes pour les raidir. Et ensuite, après, on va venir les frire au beurre, pour pouvoir les colorer. Et après, pour la présentation du plat, on va venir les couper façon maquis. Et pour ensuite les accompagner là-dessus, eh bien vous allez accompagner ça d'un poireau, un poireau que vous avez coupé et que vous farcissez de pommes de terre. Exactement. Pour retrouver le côté un peu tendre et croquant du plat, c'est ça? Exactement. Le fameux riz de veau. Après la Seconde Guerre mondiale, toute la France en mangeait. Aujourd'hui, c'est devenu un plat de luxe. Le riz de veau, toute une histoire. Pourquoi on en parle tant? Élément de réponse avec Marie-Luce Ribaud. Alors d'abord, vous êtes quand même de moins en moins nombreux à ne pas aimer le riz de veau. Le riz de veau, il est revenu en grâce notamment à la tendance de la bistronomie qui a été initiée d'ailleurs par quelqu'un de la région qui est un palois et qui se nomme Yves Candebord. Le riz de veau, qu'est-ce que c'est? D'abord, ça s'écrit R-I-S et non pas R-I-Z. Hein. C'est une glande, le riz de veau. Dans l'histoire, le riz de veau, ben, il est très prisé par les Grecs, par les Romains. On en trouve la trace notamment sous Apicius, qui est l'un des premiers épicuriens connus qui en raffole. Et puis, c'est vrai qu'après, c'est devenu le produit triqué du pauvre. Au 19e siècle, Antonin Carême, qui invente le vol au vent, s'en sert pour faire une farce très subtile. Les bouchers bretons, au début du 20e siècle, ils le distribuent gratuitement aux touristes parisiens qui viennent faire leurs achats chez eux. La version du riz de veau, elle peut être due effectivement à cet aspect flasque, ce côté un petit peu laiteux. Une fois qu'on l'a goûté, on sent toute la subtilité de cette saveur d'amande, de noisette qu'a le riz de veau, et je suis sûre que vous allez l'adorer, c'est pas possible autrement. Bon, Damien, Harmonia, Frédéric, on n'est pas bien là? Oui, oui. Au bord du bassin, le Cap Ferret, la dune du Pilat en face. Tout ça nous a donné grand faim. Tiens, je vais vous montrer quelque chose. Si je vous montre ça... Allez, réaction. Hein. Mmh. Alors ça, c'est une blague, non. Ça. Non. Regardez, un beau petit riz de veau d'un petit animal français dans le centre de la France. On passe non. À table? Non. Ah, si, on va passer à table, mais... J'ai une bonne nouvelle. Le chef a travaillé cette matière première et maintenant, on passe à la dégustation. Ouais. Allez, c'est parti. Madame, messieurs, voici le premier plat préparé par Christophe Navarre. Voilà. Vas-y, je t'en prie. Persillade, le persil. Je suis galant. Avec une petite mayo et persil. Aïe. Non. Et en plus, ça se détache ce truc. Regarde. C'est bon. Pour Frédéric, ça semble mal parti. On a l'impression que cette viande est crue, c'est... Non, non, je ne peux pas. Il y a un petit goût. Je vais passer pour une goinfre, mais je trouve ça très bon. Pour ça, hein. C'est tendre. Enfin, je sais pas, ça se détache dans la bouche, ouais. Mais bien resté, ça fait un côté graisseux. Je sais pas ce que c'est, mais c'était pas super. Fred, il retente, hein. Il est quand même courageux. Non. Allez, buvez un petit peu d'eau. Bon, après un plat froid, place au plat chaud, tout en couleur. Je vais pas le couper, je vais le manger comme ça. C'est pas de la pomme? C'est pomme de terre? C'est un peu mieux. On ressent ce goût, cette sensation de gélatine. Et, bien sûr. Et non, je peux pas. En fait, t'as l'impression que tu manges un peu comme si c'était du gras en matière en fait. C'est très bon.
la friture, bah, la merci la chef, c'est très bon. Oh, le chef, il a cuisiné. Harmonia se jette sur son assiette. Je pense que même des petits-enfants peuvent en manger. J'ai l'air d'être une grosse gourmande, mais moi, je trouve que c'est délicieux, c'est très bon. Attendez, mais... C'est la première fois que je mange des riz de veau comme ça, préparé comme ça, c'est la première fois. Allez, place peut-être au troisième plat le plus compliqué, on va dire. C'est quoi c'est l'enveloppe là, c'est pas le riz de veau, ça a été masqué dedans. Ça, le côté un peu fruit de mer, c'est pas aussi mon truc. Donc, comme a dit Tania, 1, 2, 3, soleil. Je préfère comme ça, on va dire. Ah. Avec le fruit de mer. Ça va, Damien? Aïe, aïe, aïe. Ça cloche pour ce troisième plat. Non, ça va pas trop. Je peux pas dire... ça a l'air cru. On dirait qu'on mange le produit qu'on nous a, l'assiette qu'on nous a présentée en début. Et vous, alors étonnamment, Je préfère comme ça. Ce plat, on ne sent pas le. C'est l'aspect maritime qui a gagné la partie. Oui. Ah. Chers amis, voici l'homme qui vous a peut-être réconcilié avec le riz de veau, en tout cas qui a beaucoup travaillé pour vous, Christophe Navarre. On peut l'applaudir. Hein. Christophe. Je vous présente donc Harmonia, Frédéric et Damien. Qu'est-ce que vous vous êtes dit, Christophe, quand vous avez dû relever ce défi, préparer cette émission ? C'est-à-dire un petit peu faire une palette de tout ce qu'on peut faire, c'est-à-dire pratiquement un cru en carpaccio, donc juste blanchi, ensuite après avec une présentation de légumes de saison, et le dernier, un terre-mer, vu la situation dans laquelle on travaille. Alors après, le riz de veau, c'est vraiment très 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 spécial, comme beaucoup d'abats. Vous étiez un peu comment dans les cuisines quand vous saviez qu'il y avait la déguste ? On est un petit peu stressé ? Stressé non, mais il y a toujours une petite appréhension de dire que bon, on est passé complètement à travers et que rien ne convient à des palais différents. Et voilà, c'est surtout ça quoi. Parce que le but du jeu, c'est quand même de régaler les gens, quoi. Prendre du plaisir et régaler les gens. Sinon, il n'y a aucun intérêt à faire ça quoi. Quand même, on peut féliciter Christophe qui a fait un très très beau travail. Merci Christophe. Merci à vous. Premier plat. Beaucoup pas du tout apprécié, on va dire. Le deuxième. Mieux, mais c'était pas ça. Le troisième, j'ai préféré. Ce goût gélatineux n'y était pas. Le premier plat, comme vous avez pu voir, je mangeais presque toute l'assiette, à moi toute seule. La deuxième assiette aussi. Et la troisième assiette, là, j'ai calé. J'ai pas aimé. La troisième assiette, ça ne me plaisait pas. En fait, ça avait bien commencé. Donc au départ, ça allait. Bon, y avait juste l'aspect, mais en termes de goût, ça allait. Le deuxième, c'était une bonne surprise. Alors moi, je m'attendais, tu sais, que c'était crescendo, et je te dis que le dernier, c'était... Un très grand défi. Que chacun goûte, apprenne à connaître. D'ailleurs, j'ai même dit qu'on devrait servir ça dans les écoles aux petits-enfants. Pas que spécialement les riz de veau, hein. N'importe quel plat, on devrait apprendre aux enfants à connaître la cuisine, autrement que les macaronis ou des pâtes ou des frites, quoi. C'est super enrichissant, ouais. Bonne expérience, en tout cas. Merci. On arrive à faire changer d'avis les gens, modifier leur façon de manger, modifier les plats qu'ils ont perdu l'habitude de manger ou qu'ils ne veulent pas du tout manger. Voilà, et donc c'est plutôt une grosse satisfaction. Ouais. Et vous, êtes-vous prêt à relever le défi avec un plat ou un aliment avec lequel vous êtes fâché ? À bientôt pour de nouvelles aventures dans un autre lieu avec un autre chef. La vie, c'est comme la gastronomie, c'est une question de goût et de couleur.